Pour quelqu'un qui vient, qui regarde l'épreuve, c'est évident ce qui se passe ici. Ça, c'est une histoire de persécution. Ce n'est pas une poursuite. Assange n'est pas poursuivi pour ses crimes. Il est persécuté pour les crimes des autres. Parce qu'ils veulent, ils veulent assurer l'impunité. Ils veulent protéger. Ils veulent pas obtenir impunité, ils veulent protéger leur impunité qu'ils ont déjà, qu'ils ont depuis des décennies. C'est un système qui se maintient, qui se protège entre les pays, les services secrets, leurs intérêts. Et de nouveau, c'est pas une théorie conspiratoire. Regardez les publications de WikiLeaks, et c'est pas eux qui les ont écrits, c'est les gouvernements même qui les ont écrits, c'est WikiLeaks qui les ont publiés. Mais vous voyez les protocoles de négociation entre le service secret américain et suédois. Comment continuer à échanger des informations sans que le Parlement suédois le sache? Et le public suédois le sache, par exemple. Donc c'est illégal. On a les preuves. D'ailleurs, si je peux rebondir là-dessus, les publications qu'a fait Assange dont vous parlez, là, WikiLeaks, elles n'ont jamais été contredites par ces États ou bien? Non, non bah, oh, pas un seul document, parce que c'est leur propre document. Donc c'est reconnu que c'est la vérité des crimes qui ont été dévoilés par WikiLeaks et Assange. Bon, ils ne vont pas le confirmer. Non. Mais ils n'ont pas c'est contredit. Pas non, c'est pas contesté. Pas... C'est pas contesté. D'accord. Non, non. C'est jamais, il n'est pas accusé. Il n'y a aucune accusation comme quoi des informations ne sont pas vraies. Maintenant, ce qui est assez intéressant, si les États étaient en bonne foi, et Assange est vraiment tellement terrible. Mais c'est objectivement les crimes de guerre qui étaient prouvés sont toujours beaucoup plus sérieux. On parle de meurtre, on parle vraiment de torture, mais sur une échelle énorme, de milliers et de milliers. Donc ces gens-là, on a des preuves. On a même des vidéos. Pas un a été poursuivi, même pas discipliné. Bien au contraire, Gina Haspel, qui a détruit des vidéos où il y avait les interrogatoires dans un black site en Thaïlande qu'il commandait, après elle est devenue chef de la CIA.